Bien, mesdames et messieurs, merci d'être venus. Pour ceux qui voudraient signaler à leurs amis et leurs amies cet exposé, il sera mis sur le site avec des audiovisuels sur le site de notre fondation, comme la précédente conférence de Madame et Monsieur Rémy Hildebrandt-Bart. J'ai pour ma part pas regardé s'ils étaient déjà mis, mais ça devrait l'être, si ça ne l'était pas, cette semaine encore. Aujourd'hui, dans ce cycle d'imprimeurs, nous allons parler des imprimeurs bonhommes. Alors je précise évidemment tout de suite, c'est pour ça que le titre du cycle c'est « Les descendants et leurs amis », que je ne suis aucunement descendant des imprimeurs Bonnant. D'ailleurs, les imprimeurs Bonnant descendent, les Bonnant actuels descendent effectivement des imprimeurs Bonnant, mais pas un imprimeur du XVIIIe siècle qui travaillait pour son frère. Jean-Pierre Bonnant ayant eu un fils qui, lui, est mort prématurément. Alors, ces imprimeurs Bonnant, ils offrent deux caractéristiques. D'abord, pour le XVIIIe siècle, et c'est important, tous les imprimeurs dont nous avons déjà parlé, Pyrame de Candolle, Cramer et finalement aussi Barre des Mangeais, sont des citoyens ou des bourgeois de Genève. Ils jouissent donc de la plénitude de leurs droits politiques et économiques. Les Bonnant, au XVIIIe siècle, sont des natifs, c'est-à-dire qu'ils sont nés à Genève. Le premier Bonnant est arrivé à Genève en 1658. Il était passementier, il venait du Midi de la France. Les passementiers, c'est ceux qui fabriquent des galons. C'est une industrie très prospère à Genève au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Et puis, on imagine qu'ils sont venus à Genève, certes pour cause de religion, même si c'est 25 ans avant la révocation de l'édit de Nantes, mais aussi parce qu'il y avait dans le Midi une crise économique. Et cette crise économique, eh bien, elle arrivera 50 ans plus tard à Genève, au début du XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que l'on imagine que Josué Bonnant, petit-fils de Pierre Bonnant, je vous ai mis première génération, mais c'est première génération des imprimeurs, fait un apprentissage d'imprimeur, dont le contrat est d'abord signé par sa mère, veuve, parce que le métier de passementier est à ce moment-là en crise à Genève. Et il est imprimeur, vous le voyez, chez Thomas Caille. Les Cailles sont une famille de citoyens. Au XVIIIe siècle, il n'y a, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, qu'un seul imprimeur qui sera natif, c'est Jean-Pierre Bonnant et son frère. Ça a une certaine importance au début sur ce qu'ils vont imprimer, parce que les natifs vont évidemment chercher à obtenir l'égalité économique et politique avec les citoyens et bourgeois. Ils ne l'obtiendront pas et en partie, ils glisseront alors contre ceux qu'on appelle les représentants, parce qu'ils faisaient des représentations, les citoyens et bourgeois plutôt partisans de Rousseau, ils glisseront du côté du patriciat contre les représentants et ils auront donc une position ambivalente. J'en profite pour signaler tout de suite que par exemple Jean-Pierre Bonnant imprimera plusieurs publications d'un certain Isaac Cornuau qui est le chef des natifs à cette époque, qui va laisser des mémoires publiées au XIXe siècle fort intéressants
et d'innombrables brochures politiques. Ce Cornuau est certainement un esprit pas tête brûlée qui soutient le patriciat et les natifs contre les citoyens et bourgeois ordinaires. Si je vous en parle, c'est que cette tête qui, sans être brûlée, est quand même quelque peu excitée, aura un petit-fils, dont vous avez tous entendu le nom, qui lui aussi, au XIXe siècle, est un peu excité. Il s'agit d'Antoine Carteret, qui est donc, par sa mère, le petit-fils d'Isaac Cornuau. Et l'affaire se corse dans les caractères familiaux lorsqu'on sait, mais là, il faut éviter tout dérapage, que le petit-fils d'Antoine Carteret n'est autre que le célèbre Georges Oltramar, Géo Oltramar. À croire que certains gènes se sont transmis directement du XVIIIe siècle au XXe siècle. Mais si on en revient à nos bonhommes, il s'agit donc d'une famille solidement implantée à Genève, mais qui, comme son descendant, l'ancien ambassadeur Georges Bonnand, le signale, n'ont pas énormément de capitaux. Et donc, au départ, ils se limitent au travail d'imprimerie. D'ailleurs, le premier, Josué Bonnand, apprenti imprimeur chez Thomas Caille, il va avoir une vie intéressante, il va partir à l'étranger, puis il revient à Genève, il se marie, il aura un certain nombre d'enfants, mais, très rapidement, il va s'engager dans la garnison soldée comme factionnaire. Et en 1734, et il mourra en 1766. Alors, il est vrai que selon les contrats de notaire qu'a vu Georges Bonnand, ce que j'ai revu, il est toujours mentionné imprimeur, parce qu'au fond, son premier métier, celui qu'il a appris, c'est imprimeur. Mais je ne crois pas vraiment, contrairement à ce que écrit Georges Bonnand, qu'il ait continué à exercer ce métier en même temps qu'il était factionnaire dans la garnison. Hein? Genève au XVIIIe siècle, c'est quand même pas l'Italie, les gens n'exercent pas deux métiers à la fois pour être sûr de manger un le matin, un autre l'après-midi. Donc je pense que Josué Bonnand est bel et bien le premier imprimeur des Bonnand, mais qu'en réalité, il ne pratiquera plus, à partir de 1734, le métier d'imprimeur. En revanche, il est resté très proche du métier d'imprimeur. Ça, c'est clair, dans la mesure où ses deux fils vont être apprentis imprimeurs. Vous savez qu'à l'époque, très souvent, les pères suivent le métier de leur fils, et qu'il y a là un certain nombre d'imprimés, de livres, de brochures, qui continuent à porter la mention « frère Bonnand ». Alors, quels sont ces deux frères? D'une part, vous avez Jean-Pierre Bonnand, qui est certainement l'un des plus célèbres dans la famille Bonnand. Il est natif, puisque son père l'est. Il est né en 1737. Il mourra en 1805 et il s'associe en 1765 à 28 ans avec un imprimeur connu sur la place, Étienne Blanc. Mais Étienne Blanc est un homme qui est déjà paralysé à la suite d'une attaque et qui ne peut donc pas gérer son imprimerie et au fond, Jean-Pierre Bonnand loue l'imprimerie, le matériel d'Étienne Blanc qui se trouve à la place du Mollard à côté de l'horloge. Et puis au bout de quelques années, eh bien, Étienne Blanc n'est même plus capable de suivre ce que fait Jean-Pierre Bonnand et Jean-Pierre Bonnand rachète le matériel, la clientèle, et sera à son compte
à partir de 1770. Et puis, il avait un frère, Jean-Pierre Bonnand, qui s'appelle Antoine-Albert Bonnand. Antoine-Albert Bonnand est natif, lui aussi, et s'il fait un apprentissage d'imprimerie, il ne s'associera jamais avec son frère aîné. Ou le frère aîné ne voudra jamais s'associer avec lui. Il travaillera donc toute sa vie comme imprimeur dans l'imprimerie de son frère aîné. Et c'est pourtant de lui, de cet Antoine Albert, que descendent tous les Bonnand d'aujourd'hui. En effet, Jean-Pierre Bonnand aura un fils, Pierre-Étienne Bonnand, mais qui mourra à 20 ans, ayant à peine travaillé quelques mois avec son père, alors que Antoine-Albert Bonnand aura lui aussi un fils, sur lequel nous reviendrons, et dont sont issus les Bonnand actuels. Alors, au début, évidemment, Jean-Pierre Bonnand, les frères Bonnand, comme ils s'appellent, ou de l'imprimerie Bonnand, comme on voit sur les livres, publient ce qu'on veut bien lui confier. En 1783, ils ouvrent un commerce de librairie. Les voilà donc à la fois imprimeurs et libraires. Ça avait beaucoup d'avantages parce que les libraires pouvaient vendre des productions de leurs confrères, mais ils pouvaient aussi vendre les produits de l'imprimerie Bonnand. Et c'était d'autant plus important pour les Bonnand qu'ils avaient besoin d'avoir un local pour recevoir le public parce qu'en 1783, ils affirment la feuille d'avis de Genève. Alors, il ne faut pas que vous ayez d'illusion sur ce qu'est la feuille d'avis à cette époque. Ça ressemble beaucoup plus à GHI, à Genève Home Information, qu'à la feuille d'avis. En réalité, c'est une feuille d'annonce, d'annonce gratuite et d'annonce payante. C'est là que vous pouvez insérer des annonces qu'on trouve déjà au XVIIIe siècle, « Perdu un beau parapluie vert au bas de la cité »,« Demoiselle cherche son chat », oui, oui, déjà au XVIIIe siècle, les chats deviennent des animaux de compagnie et on voit déjà des petites annonces sur les chats. Je fais exprès de vous donner des annonces pittoresques. La plupart des annonces concernent des ventes de pommes, de poires, de maisons. C'est très intéressant de voir d'ailleurs pour les pommes et les poires que vous avez plusieurs dizaines de variétés et que vous pouvez, suivant les besoins, aller les chercher. Donc, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Ils affirment donc, en 1783, la feuille d'avis. Et puis, ils vont aussi, quelques années plus tard, en 1787, prendre en charge la publication du premier journal de Genève, qui s'intitule « Journal de Genève » et qui aura successivement deux éditeurs au sens d'éditeur jusqu'en 1793, début 1794. C'est un journal à ce moment-là politique et littéraire qui publie sur le plan politique des essais, on va y revenir tout à l'heure, et sur le plan littéraire publie non pas des petits récits, mais des critiques d'ouvrages. Alors, par exemple, sur le plan politique, dans le second journal de Genève, qui commence en 1792, le 21 janvier 1792, vous avez un premier texte dans le numéro 1, intitulé « Sur l'amour de la patrie », qui est, selon l'auteur anonyme, qui est peut-être Béranger, la plus noble des passions. Puis, c'est l'auteur dit que, au fond, il préfère utiliser. Il veut participer à une entreprise qui le conduirait à une fortune brillante
en réduisant les hommes à une misère prolongée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va interroger quelqu'un sur comment il voit l'amour de la patrie. Alors il voit quelqu'un qui porte beau, mais tout de suite après reçoit un avis d'un financier et se précipite pour faire ses affaires au risque de ruiner sa patrie. Et puis, un autre exemple, il voit un émigré qui quitte Genève, qui prétend avoir l'amour de la patrie chevillé au corps, mais qui trouve que la vie est trop chère et qu'il ne peut y augmenter sa fortune. Et puis un troisième qui est démagogue, essaye d'être populaire, échoue et du coup, n'ayant pas d'emploi public, disparaît. Tels sont les effets de l'esprit de parti, conclut l'auteur. Dès que l'on a respiré quelque temps sa vapeur enivrante, l'art devient louche, l'esprit est faux et le cœur mauvais. La vérité perd les couleurs du mensonge, etc., etc. Donc vous voyez, c'est à la fois moral et puis, malgré tout, au moment même où Genève connaît des troubles pas encore révolutionnaires, ça sera juste à la fin de l'année, quelque chose d'un peu modéré dans l'expression. Et pas du tout révolutionnaire comme on pourrait le prendre. Et puis comme il manque un peu de copie, il précise à la fin du premier numéro que les éditeurs recevront avec reconnaissance tout ce que leur fera passer d'utile, d'agréable et de curieux. Malgré ça, rassurez-vous, les deux premiers journaux de Genève, donc pendant ces 7 ans, n'ont pas du tout de rubrique « People ». C'est au contraire très sage et très bien documenté de ce point de vue-là. On y publie, par exemple, le discours d'Adolphe Pictet, professeur de philosophie, sur la question concernant l'éventualité d'une déclaration des droits de l'homme en tête de la Constitution genevoise. Ça, on va aussi y revenir. Car en effet, la Révolution genevoise arrivant, elle entraîne pour les bonhommes plusieurs changements. D'une part, ils deviennent citoyens. Il n'y a plus de sujets, plus de natifs, plus de bourgeois, il n'y a plus que des citoyens tous égaux, et donc les bonhommes sont pleinement genevois. D'autre part, ils s'installent à la rue Verdaine en 1795. Rue Verdaine 227, qui deviendra, lorsque la numérotation changera, la rue Verdaine numéro 7, c'est le bas de la rue Verdaine. Ils y resteront jusqu'à la fin de leur imprimerie en 1864 ou 84, mais la maison, ils continueront à posséder la maison jusqu'en 1913. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que leur successeur, qui travaillait dans l'imprimerie Bonan, Vice et Duchesne, y demeureront, ainsi qu'un successeur de successeur, l'imprimerie Klein, jusqu'à la démolition de la maison en 1931. Et vous pouvez voir des photographies de cette maison en 1931, encore en train d'être démolie, avec encore un bandeau imprimerie Klein. Et cette maison a été remplacée par l'hôtel de l'armée du salut pour les femmes qui se trouvent au bas de la rue Verdaine avec Cintani à côté. Donc c'est là que s'est trouvée pendant près d'un siècle l'imprimerie Bonan et pendant presque 150 ans une imprimerie. Et puis les Bonan, sans être particulièrement progressistes, à cette époque Jean-Pierre Bonan et son frère deviennent les imprimeurs officiels du gouvernement. Jusqu'alors, c'était la fameuse imprimerie Pellet qu'il était. Mais évidemment, Pellet était trop lié
aux patriciens et a perdu son mandat, et Bonan devient imprimeur de la République. Ça ne durera d'ailleurs pas, parce que vous savez, les révolutions mangent un peu leurs enfants, et le successeur sera Cestier. Genève, à ce moment-là, fait une consommation abondante de constitutions, et après la dernière constitution d'Ancien Régime, le code Durovray du nom du procureur général en 1791, la précédente, c'était les édits civils de Calvin, un peu revu en 1568, qui avait duré 250 ans, donc ensuite 1791, première constitution, deuxième constitution, elle, révolutionnaire, qui prévoit une assemblée nationale, la constitution de 1794. Et cette constitution de 1794 est imprimée chez Bonan avec une déclaration des droits de l'homme. D'ailleurs, il y a tout un beau préambule. Pourquoi faut-il une déclaration des droits de l'homme? Et alors, c'est super parce que c'est la littérature du XVIIIe siècle. La nation genevoise, assemblée en conseil général, considérant que, dans l'état de société, chaque individu met ses droits sous la protection de tous, et qu'en conséquence, la connaissance de ses droits et des devoirs réciproques qui en résultent est essentielle à la formation du pacte social, considérant surtout que l'ignorance, l'oubli ou le mépris de ses droits, puis là on ne se refait pas, on est genevois, on est protestant, et de ses devoirs ont été les principales causes des dissensions politiques et des malheurs publics, reconnaît et consacre sous les auspices de l'être suprême la déclaration suivante des droits et devoirs de l'homme social. En effet, à Genève, on ne se contente pas d'une simple déclaration des droits de l'homme, on pense qu'il s'agit de l'homme social, de l'homme qui vit en société et qu'il n'a pas seulement des droits, mais aussi des devoirs. C'est évidemment quelque chose que la grande nation voisine, la France, d'où s'est inspirée, ne connaît pas. Alors, j'espérais vous donner, vous apporter ou montrer la constitution genevoise de l'imprimerie de Bonan que vous avez dans votre fascicule. Malheureusement, il y a eu deux éditions en 1794. L'édition in octavo est perdue à la bibliothèque de Genève depuis plusieurs années. Mais les Bonan n'en sont plus les imprimeurs de la République, c'est un nommé Luc Cestier qui sera imprimeur de la République à ce moment-là et qui d'ailleurs reprendra aussi le contrat de la feuille d'avis. Alors, ce que publie, à part le journal de Genève, à part des constitutions, les Bonan à ce moment-là, bien, ils ont publié un certain nombre de livres scolaires, ça marche toujours, achètent leur devra sa fortune, et les livres scolaires marcheront, mais moins qu'avant. Ils avaient entraîné la richesse des Cramer et des De Tourne, et puis ensuite la fermeture, enfin l'abolition de l'ordre des Jésuites, et la fermeture des écoles jésuites en Italie et en Espagne avait porté un coup très dur aux imprimeurs protestants genevois qui ne pouvaient plus vendre leurs ouvrages en Espagne et en Italie. Alors, Bonan va devenir, je vous l'ai déjà dit, l'imprimeur des natifs, et notamment des brochures d'Isaac Cornuau, dont certaines sont assez drôles. Par exemple, en 1780, les aveugles devenus oculistes, qui est évidemment un petit pamphlet. Ou bien, en 1795, le passé, le présent et l'avenir, ou considérations politiques, morales et économiques, vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle, que vous avez ici, avec un petit papier peint de l'époque, qui est une brochure de Cornuau, sans nom d'auteur, bien qu'elle soit publiée en 1795,
les Bonnans étaient courageux peut-être, mais en tout cas pas téméraires de ce point de vue-là. D'ailleurs, ils virent un petit peu, non pas totalement de bord, mais parmi les auteurs publicistes qui se vendent bien, il y a le fameux Genevois qui vivra surtout à Londres pendant la Révolution, Jacques Mallet-Dupont, qui va publier des annales politiques, civiles ou littéraires, un tableau historique et politique de la dernière Révolution de Genève. Et Mallet-Dupont est surtout intéressant parce qu'il s'intéresse beaucoup au Danemark et à ce qui se passe au nord de l'Europe, et c'est le premier qui, en français, publiera une traduction de ce grand poème scandinave qu'on appelle les Eddas. Donc, les premières légendes scandinaves se répandent en français grâce notamment à Mallet-Dupont. À part ça, il est vraiment un esprit réactionnaire contre la Révolution française, on peut le dire, mais c'est un esprit extrêmement intéressant. Et puis Bonnan est également le premier imprimeur de la Société des Arts, fondée notamment par Horace Bénédict de Saussure en 1776. Et puis il y a quand même, à côté de ces impressions-là, il s'associe avec un autre imprimeur genevois pour publier, d'une part, une partie de l'encyclopédie édition de Genève, donc la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée en petit format in octavo, et surtout un texte important, donc ce n'est pas la première édition, mais un texte important dans l'histoire des Lumières, qui s'intitule « L'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes », à savoir les Indes orientales, l'Inde actuelle, et les Indes occidentales, les Caraïbes, la Jamaïque, Cuba, etc. C'est un ouvrage de l'abbé Raynal, qui évidemment mène un peu le combat contre l'esclavage. C'est un ouvrage qui avait été interdit en France, et c'est un ouvrage pour lequel, et ça montre toute la manière dont les Genevois sont utilisés par les libraires parisiens pour éditer à Genève des ouvrages clandestins. En effet, il y a un contrat à Genève entre un imprimeur libraire parisien nommé Georges-Antoine Stoup et Samuel de Tournes, le dernier descendant des imprimeurs de Tournes, qui est chargé à Genève par Stoupa de contrôler les impressions faites notamment par Bonnan de l'histoire philosophique des deux Indes. Et alors on sait comme ça, l'édition est répartie en deux formats, le format in quarto et le format octavo. Octavo, c'est ça. Le format in quarto sera imprimé par Pellet, déjà très âgé, à 2500 exemplaires, on connaît le chiffre par le contrat, et par Bonnan in octavo à 5000 exemplaires. Et la bienfacture de l'édition doit être opérée par Samuel de Tournes, qu'on imagine se promener de temps en temps pour voir les feuilles. Et puis il faut quand même dire que Jean-Pierre Bonnan travaillera en partie pour Voltaire après la liquidation de l'imprimerie Cramer. Et dans les autres textes intéressants, je crois que je vous l'ai mis, il y a les fameuses lettres écrites de Lausanne, dont l'exemplaire a appartenu à un prévôt, lettres écrites de Lausanne, Toulouse, mais c'est une fausse adresse typographique, c'est en fait Genève, 1785, et vous voyez, c'est un des premiers ouvrages d'Isabelle de Charrière qui est publié à Genève par Jean-Pierre Bonnan. C'est donc quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis je vous ai mis aussi le Bonnan étrenne à la jeunesse pour l'année 1799 à Genève chez Bonnan au bas de la vallée.
parce que ça, ce sont des petites publications qui ont lieu au moment des étrennes, et vous voyez d'ailleurs, certainement, un jeune homme et sa mère, et bien que ce soit le jeune homme qui tienne la petite lettre, c'est la mère qui vient certainement de lui donner un peu d'argent comme étrenne. À l'époque, à Genève, on ne faisait pas de cadeaux à Noël, mais on les faisait pour le 1er janvier. Donc, pour les étrennes, de cette manière-là. Et puis donc, si je reviens à ma déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le premier article figure « Tout homme est seul propriétaire de sa personne et de ses facultés ». Alors, cet article-là, qui a l'air tout banal, en réalité, interdit l'esclavage. Si tout homme est seul propriétaire de sa personne, bien évidemment, un autre ne peut pas être propriétaire de sa personne. C'est quelque chose de tout à fait important. Et sur les droits de l'homme, il y a une définition des droits de l'homme en société, c'est à l'article 10, ce sont l'égalité, la liberté, la sûreté, on dirait aujourd'hui la sécurité, mais c'est bien ça, la sûreté, la propriété, la garantie sociale. La garantie sociale, c'est le droit de pouvoir exercer ses droits. Donc, c'est au fond tous les droits politiques et la résistance à l'oppression. Rassurez-vous, cette déclaration ne prône pas l'anarchie. La résistance à l'oppression est soigneusement encadrée dans le système politique, mais c'est une vieille constante également calviniste. Déjà, Théodore de Bèze, au XVIe siècle, avait écrit un livre sur le droit des magistrats, qui était en fait une théorie de la résistance des magistrats, du droit des magistrats et du peuple face aux princes. Évidemment, on ne parlait pas à cette époque-là de démocratie. Et l'article 11 dit bien « Tous les individus ont le même droit à la protection de la loi ». Puis il y a les devoirs. Elles sont obligées de se soumettre à la loi. Et cette déclaration propose également la liberté de conscience et d'expression. À l'article 18, tout homme est libre dans la manifestation de sa pensée et de ses opinions. Mais, il est responsable des atteintes qu'il pourrait donner par là aux droits d'autrui. Donc il faut que l'expression de ses opinions ne nuise pas aux droits d'autrui. Vous voyez combien cette déclaration des droits de l'homme est à la fois progressiste, mais très équilibrée, très genevoise. Et puis vous avez un article 32 qui va dans la ligne de Calvin, qui est précède la pensée de James Fazi, l'instruction étant un besoin de tous, la société la doit également à tous ses membres. Et cette petite phrase qui n'a l'air de rien, la doit à tous ses membres, c'est pas seulement l'instruction obligatoire, à défaut d'école, mais dans les membres, il y a les femmes. Et donc les femmes doivent aussi recevoir une instruction, savoir lire, écrire, compter, au moins à partir de ce moment-là, c'est dit noir sur blanc. On ne parle pas encore de l'accès à l'université, bien sûr, mais c'est de toute façon tout à fait progressiste de ce point de vue-là. Et voilà ce qu'on peut vous dire pour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, les Bonans vont passer la période française tranquillement. Ils sont toujours imprimeurs, mais l'imprimerie genevoise à cette époque est évidemment en crise. Il n'y a plus que quelques imprimeurs, et d'ailleurs les Bonans meurent. Pierre-Antoine Bonan, qui n'a que 6 ans à la mort de son oncle. Il est donc
incapable de reprendre la maison tout seul. Si bien que, comme il a une sœur, cette sœur se marie avec un nommé Guillaume Fick, un Allemand, né à Berlin en 1781, et qui, à 24 ans, prend la direction de l'imprimerie Bonnand, mais en sachant qu'en 1820, il devra tout restituer à son jeune beau-frère. Et c'est d'autant plus intéressant que dès 1811 ou 12, à l'âge de 13-14 ans, les permis d'imprimer sont mis au nom de Pierre-Antoine Bonnand, alors que tout est en main de Guillaume Fick. En 1820, Pierre-Antoine Bonnand reprendra le contrôle complet de l'imprimerie, mais évidemment, Guillaume Fick, Fick Bonnand, parce que son épouse est une Bonnand, reprendra une partie du matériel d'imprimerie et va fonder une imprimerie très courue au XIXe siècle, la fameuse imprimerie des Fick. Et Guillaume Fick aura deux fils, Jules Guillaume et Édouard Fick, qui notamment feront des réimpressions grâce à Gustave Revillot, le mécène de l'Ariana, au XIXe siècle, avec des très belles impressions très soignées. Mais ceci est une autre histoire. Mais donc les Fick sont venus à Genève grâce au Bonnand. Fick va racheter du matériel d'imprimerie du XVIe siècle et se fondera ensuite dans Egiman et Egiman dans Attard. Et on peut dire que l'imprimerie Fick reste en, d'une certaine manière à Genève grâce à Attard, qui est l'héritière des imprimeurs Fick. Quant au Bonnand, eh bien Pierre-Antoine Bonnand est en main de son imprimerie qu'il va avoir, et c'est la seconde grande époque de l'imprimerie Bonnand, de 1820 à sa mort en 1845. Alors évidemment, les deux beaux-frères, ce sont des imprimeries moyennes hein, pour Genève, se partagent la clientèle. Et par exemple, les Ward Bonnand sont chargés de l'impression du recueil des lois. En revanche, Fick va réimprimer à partir de 1815 la feuille d'avis, mais jusqu'en 1820, elle est évidemment imprimée chez les Bonnand. Donc, il faut se répartir une clientèle. Fick est assez habile pour garder des publications gouvernementales, donc des publications de la Restauration, qui n'est évidemment pas une période particulièrement progressiste. Alors que plus jeune, Pierre-Antoine Bonnand s'intéresse aux poètes, aux littérateurs genevois, comme Petit Seine, comme Jean-François Chaponnière, comme Gaudy Lefort, comme Salomon Cougnard, des gens aujourd'hui un peu oubliés, qui vont être à la base du troisième journal de Genève, celui que vous avez connu, fondé en 1826, et à la base du caveau et de la littérature genevoise du début du XIXe siècle, est fort intéressant. Pierre-Antoine Bonnand va même se heurter à la censure qui existe à cette époque lorsqu'il publie un almanach genevois. Et les almanachs à cette époque, comme l'almanach du messager boiteux aujourd'hui, ont évidemment divers morceaux, c'est pas simplement un calendrier. Et là, il va y avoir dans cet almanach de 1823 diverses pièces qui attaquent les Savoyards ou qui critiquent les armées autrichiennes de Boubna. Et évidemment, le gouvernement conservateur de l'époque est très inquiet cela et morigène, on peut le dire comme ça, le jeune Bonnand. Et puis,
la littérature genevoise me rapportant peu, malgré la publication en anglais traduite par John Monoir d'Elisa et Widmer, une des nouvelles de Topfer, les Bonans vont se lancer dans la littérature pieuse qui repart au début du 19e siècle. Vous savez qu'au 16e siècle, beaucoup d'imprimeurs genevois n'auraient pas pu vivre sans des impressions de Calvin et de Bèze. Au début, après 1816-17, à Genève, il y a un grand mouvement religieux, ce qu'on trouve aussi en Angleterre d'ailleurs, qui s'appelle le Réveil. C'est un mouvement évangéliste. Et les Bonans vont être les imprimeurs du mouvement évangéliste qui publie beaucoup de brochures. C'est une époque où il n'y a pas la télévision, alors le soir, les pasteurs écrivent des brochures. Adam Topfer fera d'ailleurs de magnifiques caricatures que vous pouvez voir en ce moment au cabinet des estampes avec des coques munies de rabats et qui se déchirent sur des problèmes théologiques. Alors ils impriment du César Malan, ils impriment des brochures de la Société du Bon Dépôt, de la Société de l'Église du Bourg des Fours, de la Société de l'Évangélie, de l'Église de l'Oratoire, les pasteurs Gossen, Merle d'Aubigné, Bost et j'en passe, tout un petit monde théologique qui se bectait férocement à cette époque est imprimé chez les Bonans. Ils n'ont pas tout à fait renoncé à la clientèle de l'État et ils vont pouvoir imprimer le mémorial de l'Assemblée constituante, puis le mémorial du Grand Conseil jusqu'en 1843 et de 46 à 56. Il est intéressant de voir que le contrat qui leur donne le mandat de publier le mémorial de l'Assemblée est signé par un certain Guillaume-Henri Dufour, alors vice-président de l'Assemblée, mais qui n'est pas encore, bien sûr, général. Et puis après, les publications de l'État seront attribuées suivant une ligne politique, suivant la ligne des partis. Et alors, évidemment, les Bonans ne sont pas radicaux, et donc ils perdent toutes leurs publications officielles de ce point de vue-là. Et ensuite, Pierre-Antoine Bonan a deux fils. Les deux seront imprimeurs, mais l'un, Christophe, sera le véritable technicien. Louis sera plutôt le commercial, qui développera un petit peu l'imprimerie sur le plan commercial. Ils connaissent l'allemand, ils sont patriotes, officiers, etc. Mais ça ne suffit pas. En 1864, ils sont un peu fatigués et continuent malgré tout à faire des impressions genevoises. Alors, comme ils n'ont pas les impressions radicales, ils impriment pour l'Hospice Général, qui est en main conservatrice. Ils impriment également le Journal de l'âme, revue spirituelle du docteur Rössinger, dont j'avoue que je ne sais rien, mais c'est un beau titre, le Journal de l'âme, des publications de la Société pour la sanctification du dimanche, pour le secours religieux des protestants disséminés, pour l'œuvre du mariage, pour l'union évangélique, etc., etc. On voit que de nouveau, ils sont cantonnés dans des brochures genevoises, et pourtant, ils sont les premiers à imprimer les premiers numéros de l'Écho des Alpes, la revue du club alpin. Et ensuite, fatigués, ils vendent ou remettent leur entreprise à deux ouvriers qui travaillent chez eux, c'est Vis et Duchesne, imprimeurs, en 1884. Et ainsi se termine la longue carrière des imprimeurs du Nant. Alors, Bonan. Alors, je ne dirais peut-être pas comme Georges Bonan que ce sont les imprimeurs qui ont eu la plus longue durée, à part les deux tournes, d'impression dans l'histoire genevoise. Mais c'est vrai que c'est une maison d'imprimerie qui a duré, en tout cas, 120 ans, et que c'est une belle durée
dans l'imprimerie genevoise. On peut dire qu'à part les deux tournes, les Étiennes, probablement entre Paris et Genève, au XVIe et au XVIIe siècle, ont duré aussi longtemps. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il s'agit d'une entreprise de taille moyenne. Quand il y aura la première loi sur les fabriques, sur les 11 imprimeries genevoises, 5 seront soumises à la loi sur les fabriques, où il fallait, je crois, plus de 8 ouvriers, et 6 n'y seront pas soumis, et les bonnants sont dans les 6 qui n'y seront pas soumis. Mais ils continueront à avoir leur bonne réputation. Alors voilà, je vous ai ici parlé de la brochure de Cornuau, de la brochure, enfin de la Constitution genevoise, et puis ici, vous avez un livre dont on vous a parlé la dernière fois, c'est l'histoire, le précis historique sur la vie et les exploits de François Lefort, citoyen de Genève, général et grand amiral de Russie. Et vous voyez sur la page de titre, à Genève, chez Paul Bard, imprimeur libraire, et se trouve à Paris chez Laurent, avec un portrait. Et quand vous regardez la dernière page, toujours intéressant, pas seulement la première, vous voyez à Genève de l'imprimerie Bonnand, car ce livre a été publié chez Jean-Pierre Bonnand en 1786. Alors, je vous remercie et j'essaye de répondre à vos questions si ça là m'est possible. Monsieur. Une question tout stupide. Que reste-t-il des Bonnand, du Bonnand actuel, Marc Bonnand ? N'est-ce pas ? Il y a un lien quand même. Alors, écoutez, comment ils sont... Comment fait le rapport, puisqu'il est, ah ben, il est dit... passé à la télévision dernièrement. Donc, alors, le rapport, il vous l'expliquera peut-être, parce qu'il est directement descendant de Louis ou Christophe, Bonnand. Je ne sais pas lequel des deux, puisque, en principe, c'est lui qui devait faire cette conférence, mais comme vous le voyez sur les écrans de télévision, vous ne le voyez pas ici, il était très occupé au printemps, et il a dit que peut-être il ferait quelque chose sur les Bonnand, dont il n'est pas spécialiste, son père l'était effectivement, cet automne. Alors, c'est encore à voir, j'ai maintenant une lettre écrite, mais voilà, on ne sait pas, ça serait peut-être sur un aspect, une publication qu'ont faite les Bonnand, et puis il lui permettrait de broder, soit sur l'histoire de l'esclavage, soit... sur la déclaration des droits de l'homme, etc. Enfin, je ne sais pas. Mais donc, il est directement descendant de l'imprimerie Bonnand. Mais il y a pris les fils de diplomates, c'est pas... Non, alors les FIC, je crois, n'ont pas de descendants. De toute façon, les FIC, c'est leur mère qui non, était de Bonnand. Dire, Marc Bonnand était fils de diplomate, non? Oui, Marc est le fils de Georges Bonnand, l'ambassadeur. Voilà, voilà, c'est ça. Ah, voilà, tout à fait. Mais Georges Bonnand est probablement le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Louis ou de Christophe Bonnand. Mais je ne peux pas vous donner la filiation, puisque je me suis intéressé plus à l'imprimerie qu'à la généalogie. Mais il existe d'ailleurs aux archives d'État... déposé par Georges Bonnand, l'ambassadeur, une généalogie Bonnand, manuscrite que vous pouvez consulter si besoin est. Oui, parle fort. Oui, M. Descaz, merci beaucoup de célébrer. J'aurais une question et une suggestion. Parle plus fort. Parce... J'aurais une question et j'aurais une suggestion. La première question, c'est, tu as parlé de la déclaration... Des droits de et devoirs. Et tu as évoqué l'esclavage. Est-ce qu'avant cette déclaration, l'esclavage était pratiqué à Genève ? Ah, mais en France aussi, la Révolution abolit l'esclavage. Hein, n'est-ce pas ? Il y a la fameuse Société des Amis des Noirs qui paraît à ce moment-là. Et c'est Bonaparte qui rétablira l'esclavage à Haïti. Oui, mais et ensuite, à Genève, est-ce qu'on pratiquait
l'esclavage avant cette déclaration. Ah, c'est difficile à le dire comme ça, parce qu'à Genève, il n'y a pas d'esclaves, en principe. Il n'y a jamais eu d'esclaves. Les derniers esclaves que je connais dans l'histoire de Genève, c'est des Turcs qui ont forçat turcs, galériens turcs sur les galères du Léman, et qui ont été libérés par les Genevois en 1589, lors de la prise du fort de Versoix. Et puis à ce moment-là, certains, on leur a offert de rentrer chez eux. D'ailleurs, en fait, de Turcs, c'était surtout des Maghrébins et des Égyptiens et des Syriens. Les uns venaient d'Alep, les autres du Caire, les troisièmes de Tunis ou d'Alger. Et la plupart, bon, on ne sait pas depuis combien de temps ils étaient à l'étranger, sont restés à Genève et ont fait parfois même souche. Alors la suggestion, c'est la suivante, c'est tous ces documents, est-ce qu'ils ne pourraient pas donner lieu plus tard, à la fin de la série sur les éditeurs, d'une petite exposition à la bibliothèque de Genève, puisqu'il y a des grandes vitrines où l'on pourrait installer tous les livres dont tu nous as parlé au premier exposé, au deuxième exposé, à celui-ci et au suivant. Voilà une suggestion pour la bibliothèque de Genève. Voilà. Bien, tu connais comme moi le directeur, qui est très ouvert, M. Van Houtgarden, et il faut la lui faire. Je ne connais pas du tout. Ah, bon, ben, je la lui ferai. Merci beaucoup. Madame. J'ai une question. Comment ça se passe? Ah, mais je ne vous entends pas du tout. Alors, on ne va pas en filmer, mais parce que j'ai un peu le rhume. Et puis... Comment ça se fait que Paul Bard ait mandaté Bonan pour faire le livre, pour imprimer le livre sur le fort? Alors écoutez, ça je n'en sais rien puisqu'il n'y a pas de contrat. Hein. J'ai regardé, il n'y a pas de contrat. Mais probablement soit il y avait une surcharge chez là, soit M. de Basseville souhaitait quand même transmettre son ouvrage, pas souvent à Bonan, mais que Barthes, comme il avait des contacts, il était libraire à Paris, avait une meilleure diffusion pour l'ouvrage. Ça alors, c'est des mystères, mais vous savez... C'est pendant toute l'histoire de l'édition à Genève, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, par exemple entre Genève et Lyon, quand les imprimeurs lyonnais n'arrivent pas, pour des motifs de temps ou de personnel, à publier quelque chose, ils le font faire par les Genevois. Et puis des fois, c'est la même chose pour les Genevois par rapport à Lyon. Donc ça, c'est très difficile. Par exemple... L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il y a eu, à part la grande édition de Paris, plusieurs éditions en Suisse romande. Alors, centralisait ces éditions un imprimeur neuchâtelois qui s'appelait la Société typographique de Neuchâtel, la STN, qui est pratiquement le seul éditeur imprimeur au XVIIIe siècle dont on ait conservé toute la correspondance, toute la comptabilité, toutes les archives, à tel point qu'un historien américain nommé Darnton, ayant trouvé sur une feuille, enfin sur un livre, l'impression de l'encre d'un pouce d'ouvrier imprimeur, une impression digitale du XVIIIe siècle, a réussi, grâce à la correspondance et surtout la comptabilité, à retrouver quel ouvrier se trouvait à la presse ce jour, au moment de l'impression de cette feuille-là, et que c'était donc probablement cet ouvrier-là qui avait laissé avec l'encre son empreinte digitale sur la feuille. C'est vous dire si les archives sont bonnes. Eh bien, on voit que la Société typographique de Neuchâtel travaille continuellement avec des imprimeurs genevois, et va leur donner, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une partie de l'édition de Diderot et d'Alembert, mais dans le petit format. Et Bonan écrit même, oui, je ne sais pas encore, j'achète les caractères, des caractères qui portent un nom magnifique, ce sont des caractères de philosophie. Mais la philosophie, caractère philosophie, au XVIIIe siècle, c'est un type de caractère d'imprimerie. Et il dit, mais je ne sais pas encore quel volume je vais imprimer. Donc on lui a dit, c'est ok, vous allez nous imprimer un volume de l'encyclopédie,
Et puis comme elle était déjà imprimée, ben, pour la copie, il suffisait de donner un volume, et il ne sait pas encore lequel il va imprimer. Donc, vous avez là un exemple typique de comment ça marche au XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 3 ou 4 presses, mais ils ont 6 ou 7 ouvriers. Donc, les 4 presses ne peuvent probablement pas travailler en même temps, parce qu'il faut ceux qui composent, ceux qui pressent, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus que 3 presses qui travaillent en même temps. Merci. Oui, monsieur Valotto. J'ai une question très générale. Est-ce qu'il reste du matériel de tous ces imprimeurs dont on a parlé dans les conférences précédentes et maintenant? Presse, caractère typographique, meubles de rangement, les cases, etc. Alors, ça, existe quelque chose? Ça, c'est une grosse question. Pas des bonhommes, mais donc il y avait une imprimerie qui s'appelait l'imprimerie des arts. Il a travaillé avec ce vieux matériel, et puis quand même, vieux matériel, mais une monotype, des linotypes, donc déjà on peut fondre en tape et puis les caractères sont fondus. Et l'État a racheté cette imprimerie des arts qui se trouve à la rue des Corsins, et l'a rattachée au musée du patrimoine industriel. Et il y a encore des vieux typographes qui apprennent à des nouveaux comment on utilise ce matériel. Donc à Genève, il y a en effet un endroit où il y a encore quelques bribes de vieux matériel et où vous pouvez imprimer en vrai typo, comme depuis Gutenberg. Mais c'est devenu très rare, parce qu'évidemment, pour les corrections, la souplesse de la photocomposition est formidable. Donc il y a ça. Ensuite, le vieux matériel typo ancien, alors les FIC au 19e siècle avaient racheté, je ne sais pas comment ils avaient fait, une partie de matériel du 16e siècle, notamment des bois, les fameux bois de Bernard Salomon, qui était un graveur sur bois de Lyon, qui avait imprimé la Bible, etc. Et une partie de ces bois sont maintenant au musée d'art et d'histoire. Et qui sont des bois du XVIe siècle. Quant au superbe matériel FIC du XIXe siècle, Escatard en a encore, qui est donc leur descendant moral, si vous voulez, les a encore, je ne sais pas.